Sylvie Vartan, choquée par une séquence dans TPMP. Mais pourquoi passer ces images? Point. Sylvie Vartan est l'ancienne femme du défunt chanteur Johnny Hallyday. Ayant été très marquée par sa disparition, le deuil commence à se faire comme il se doit. Mais une séquence d'en touche pas à mon poste a grandement choqué cette dernière. L'émission Touche pas à mon poste ne cesse de faire parler d'elle. Outre les invités qui sont présents dans cette émission, ou les sujets évoqués, plusieurs séquences choquent les téléspectateurs. Cela a récemment été le cas, lorsque Sylvie Vartan était invitée dans cette émission. Une séquence est passée et cette dernière a grandement choqué l'invité. Touche pas à mon poste, une émission controversée. Il n'est désormais plus rare de voir des téléspectateurs être choqués par certaines séquences auxquelles ils assistent devant leur écran. L'émission phare de la chaîne C8, Touche pas à mon poste, ne semble pas être à son coup d'essai. En effet, les producteurs ont bien compris que ce qui plaisait le plus était les révélations choquantes, ou les scoops importants. Cependant, parfois, cela dépasse certaines limites. Et l'émission de Cyril Hanouna a déjà été sanctionnée par le CSA pour divers dérapages mettant en cause certains de ses chroniqueurs. Il semblerait que chaque émission révèle son lot de surprises et que les téléspectateurs ne semblent plus apprécier ce défilé de bêtises. Bien que certains soient encore fans de cette émission. De plus en plus de téléspectateurs s'indignent sur les réseaux sociaux. Récemment, c'est Sylvie Vartan qui a été victime d'une séquence difficile à supporter. L'ex-femme du célèbre et défunt chanteur Johnny Hallyday semble avoir été choqué à cause d'une séquence qui eut lieu dans l'émission. Sylvie Vartan choquée par une séquence. Sylvie Vartan était une invitée d'exception sur le plateau de l'émission de Touche pas à mon poste. Durant cette dernière, elle s'est confiée comme rarement elle l'a fait. Se sentant bien sur le plateau et entourée de plusieurs personnes qu'elle apprécie grandement. Elle s'est confiée sur son état de santé. Ainsi, c'est notamment son état de santé mentale qui a été évoqué. Provoquant à la fois l'inquiétude chez certains de ses fans, elle s'est livrée comme jamais auparavant. Elle a donc précisé la chose suivante, « Je ne raconte pas mes malheurs ou ce qui me tourmente. Je suis là pour divertir et pour me divertir aussi. » Elle se considère tout de même émotionnellement fragile. Ce qui a grandement suscité l'intérêt de ses fans sur les réseaux sociaux. Celle qui était la femme du chanteur Johnny Hallyday, a beaucoup souffert de sa disparition. Le présentateur, Cyril Hanouna, s'est également mis à parler du sujet, mettant en avant sa relation avec ce dernier. Ce à quoi elle a répondu que tout le monde savait les moindres détails. Et que plus personne n'avait à apprendre quelque chose. Mais pour finir, il a décidé de repasser les images des obsèques du chanteur. Une séquence émouvante pour tous ses fans, mais également pour Sylvie Vartan qui s'est exprimée. Mais pourquoi repasser ces images tristes? Ce à quoi le chroniqueur Gilles Verdez a répondu la chose suivante, ça fait du bien de se souvenir. Une séquence gênante pour l'invité qui a tout de même su en tirer du positif. En effet, suite à cette réponse, elle précise, « C'est vrai que la ferveur des gens m'a beaucoup touchée. C'est quelque chose de très très émouvant, rendant hommage à toutes les personnes présentes. La relation entre les deux amoureux. Les deux personnages emblématiques de cette époque, qui sont Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, ont grandement marqué les esprits. Que cela soit pas leur amour naissant et assez lointain en même temps, ou grâce à leur personnalité différente, ils ont su marquer les esprits.
Dotée d'un fort caractère et d'une confiance face à toute épreuve, l'ancienne femme de Johnny Hallyday a su se retrouver suite à son décès. Ils étaient très attachés et savaient exactement ce qu'il fallait à l'un ou à l'autre. C'était une relation saine au départ, mais qui s'est vite transformée au fil des années. Une situation de plus en plus difficile à supporter pour Sylvie Vartan qui ne savait plus quoi faire. Désormais, elle semble penser aux années passées avec le chanteur et semble également apprécier tout autant les souvenirs de ce dernier. Tout comme ses fans, qui peuvent désormais se remémorer les bons moments de sa carrière, ou parfois, des moments plus personnels.